Bonjour tout le monde. On va revenir sur Dungeon Lords. Alors oui, il y a un donjon que j'ai pas essayé de faire en ville. Le manoir Custard. Le manoir à la crème. C'est ça, le manoir à la crème. C'est un manoir qui est obligatoire à faire pour rejoindre la guilde des voleurs. Sur la Collector's Edition, vous pouviez faire ce donjon, même si vous n'alliez pas rejoindre la guilde des voleurs. Il va falloir que je regarde ce que j'ai comme arme. Parce que, après m'être un peu rencardé sur l'effet de la force sur ce jeu, j'ai eu plusieurs choses. La première, la force. Comment fonctionnait-elle sur la Collector's Edition? Sur la Collector's Edition, c'est très simple. Pour chaque point de force au-dessus de 25, notez, hein, on parle bien de 25, vous gagniez 1% de dégâts en mêlée. Attention, ce n'était pas sur les attaques à distance, hein, c'est vraiment en mêlée. T'avais 40 en force, donc 15 points au-dessus de 25, tu avais donc plus 15% de tes dégâts en mêlée. C'était simple. Et ça faisait de la force quelque chose de généralement useless, parce que le meilleur katana en fin de jeu fait dégâts 8 à 22, avec plus 15% de dégâts, c'est-à-dire en 7ème, tu fais 1 à 3 points de dégâts de plus. Au lieu de faire 8 à 22, tu fais 9 à 25. Investir tous ces points en force juste pour ça, une moyenne de 2 points de dégâts de plus par attaque, c'est nul. C'est assez nul. La manière dont la force marche sur la Steam Edition, donc l'édition 2012, c'est que au-delà de 10, tous les 10 points de force, tu gagnes un point de dégâts. 20 points de force, t'as plus 1 dégâts. 30 points de force, t'as plus 2. 40 plus 3. 50 plus 4. Etc. Mais avec des armes dites standard. Armes standard, c'est-à-dire. Ça, c'est une arme standard. Ça, c'est une arme standard. Voilà, c'est standard. Ça aussi, c'est standard. Voilà, ce que j'ai, c'est standard. Mais il y a un nouveau type d'arme qui a été introduit sur l'édition 2012, qui n'existait pas avant. C'est les armes avec des affixes type de vitalité, de force, d'agilité. Par exemple, ce bouclier en bois de vitalité. Donc il a des stats beaucoup plus importantes. Il a 13 en armure, au lieu d'avoir genre 3 en armure. Et il a plus 2 en vitalité. Vous allez me dire, d'accord, et ben, il s'avère que le scaling des armes avec ce genre d'affixe sur la force est beaucoup plus important. C'est-à-dire que là où ma lance, effectivement, a des dégâts de base à 4 à 9, les dégâts réels avec 21 en force, ben, c'est 5 à 10. Voilà, enfin, 4 à 22, pardon, ma lance. Du coup, les dégâts réels, c'est 5 à 23. Alors, l'effet de la force, d'ailleurs, n'est pas indiqué sur la fiche de personnage, mais bon. Donc, je suis vraiment sur un point de dégâts de plus, voilà. Si maintenant, j'avais une lance qui était une lance de vitalité, ou une lance de force, ou une lance d'intelligence, ou voilà, peu importe. Alors, l'effet de la force serait beaucoup plus important. Au lieu d'avoir plus 1 en dégâts, j'aurais peut-être plus 3, plus 4, plus 5 en dégâts. Donc, ce qu'il faut, c'est rester à l'affût d'objets, des armes, hein, vertes ou bleues, mais avec un affixe de caractéristiques.
Ce même si les dégâts bruts de l'objet sont plus faibles, le scaling avec la force doit être beaucoup plus élevé. Genre beaucoup plus élevé. Vous allez vous retrouver. Alors je continue à monter bash. Bash, bash, bash. Il me faut 9 skill points. Pour passer bash à 9. Je vais faire quoi? Bah, je vais commencer par aller du coup lock Fargrove en allant chercher une Moonstone. Et une fois la Moonstone en poche, j'irai déjà activer le premier téléporteur ici parce qu'il faudra, quand on l'a vu Emindor, il faudra y retourner à Talendor. Voilà. On va faire ça. Et on va d'abord aller chercher un coffre. Qui s'était caché. Oh non, des loups! Oh, je vais mourir! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Pour la manière dont l'honneur fonctionne, soi-disant que l'honneur donne un bonus en XP, a priori chaque point d'honneur au-delà de 10 vous donne 1% d'XP de plus par mob. Je suis très dubitatif parce que j'ai pas l'impression d'avoir 12% d'XP de plus sur les mobs actuellement. Hein. Je suis assez satisfait par mon choix de classe là pour l'instant. Ah, la poiscaille. Oh non ! The poissons ! They are going to kill me ! Ça c'est les burnes, allez mourir. Je vous demande de vous arrêter. I want the coffre à trésor. Alors il est pas par là le coffre à trésor, je crois en fait. Peut-être que si... Non, par là, non. Par là, il y a un hôtel pour une quête de je sais plus qui. Probablement une quête de promotion de Claire ou un truc comme ça. Il y a un coffre à trésor, là, quelque part. Là. There is a treasure chest. Oh no! Oh no! The champignons! C'est 0% en cassé. Ah non, qu'est-ce que tu racontes le jeu? Alors je regardais quelque chose, j'ai eu une dague. Sympatoche, mais bon voilà. Si je bâche, est-ce qu'on peut save scum le contenu des coffres? J'ai jamais essayé sur ce jeu. En vrai. On peut. Et ouais, pourquoi c'est bien de bash. Parce que putain, ça va plus vite quand on veut save scum.
Non, épée sanglante d'elfe, les gars, c'est chanty, mais c'est pas ça que je veux. Super katana du protecteur. Ouais, dégâts 14-20, tout de suite dex plus 10, vitalité plus 10. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé en save, comment ça? Je sais pas, mais putain, là, c'est oh merde, j'ai cassé le jeu. Est-ce que j'ai cassé le jeu en allant choper ce katana? D'un seul coup, je... Je me demande si j'ai pas cassé le jeu là en allant choper ce katana. Oh putain, mais j'aurais pas mieux de la partie. Alors je vous dis tout de suite, j'aurais pas mieux de la partie. Ah mais alors pas du tout. Ah mais pas du tout. Celui-là, je vais le garder jusqu'à la fin du jeu. Dégâts 14-20 pour une arme à une main, les gars, mais vous n'imaginez même pas le délire. Je crois que j'ai cassé Dungeon Lords en cassant ce coffre. Parce que les katanas de fin de jeu, genre le katana du soleil, etc., c'est dégâts 8 à 22. Ouais, je fais 20 en dégâts. 22 en dégâts. Je peux me dire, oui, je peux faire 15 à 22. Si la force s'ajoute comme elle est censée faire, je suis censé faire 16 à 23 en dégâts. Mais effectivement... Mais bon, après, n'oubliez pas qu'ils ont peut-être de l'armure aussi, ces mobs. Hein. Je crois que j'ai cassé le jeu. Donc je disais, le katana fin de jeu, le katana of the sun, c'est 8 à 22 en dégâts. Hein. Là, j'ai 14 à 20. Hein. C'est beaucoup mieux, hein. Moonbeast! Ouais, je fais... J'ai même fait un 25 en dégâts. 27 en dégâts. En fait, je fais entre 22 et 27 en dégâts contre eux. Je ramasse la Moonstone. Hop, ça a fermé Fargrove. Donc là, je fais plus que 18 en dégâts. Que direz-vous? Bon, c'est très... Alors surtout, par contre, soyez pas bêtes, hein, n'en ramassez pas plusieurs. Parce que elles vont pas stacker et ça va vous bouffer des slots dans l'inventaire et vous pouvez pas les dropper. Si ? Ah, vous pouvez les dropper. Ok, alors le jeu a été mis à jour. Parce que au départ, vous pouviez pas le dropper, c'est un objet de quête. Cette arme, elle est cassée, hein. Faut que j'en tue plus. For the lulz. Pour les points de compétence. Je fous moi le jeu. Yes, I feel that you are footing yourself off my gueule, le jeu. I don't like it when you are footing yourself off my gueule. Bon, là, si je chope une. En point de vie, du coup, passé à 563, quoi. Bon, en même temps, en vitalité, je suis passé à 32. Oh boy! 12 000 XP.
Oh, le carton que je vais faire là. Vous mettez une deuxième arme. Et c'est la fête du slip. Hein. Alors, je dois tout foutre en bâche. Encore une fois, je vais monter à 16 en compétence bâche. Hein. Oui, ça va être long. Ça va être long. Pas de ma veille que je vais y être. Oh là, je me sens tout puissant là avec cette arme. Et je vais monter la force. Hein. Yahoo! Ce qu'il faut que je monte, c'est. Réparation. Bon, après, j'ai 5 en réparation, c'est déjà pas mal. Hein. Le problème de la réparation, c'est qu'il faut avoir assez de kits de réparation et vous n'allez pas en choper des. Bon, j'en ai 120, vous dire. J'ai rien dit. Bon, maintenant, il faut une bonne off-end. Je pourrais aller acheter le Wakizashi en or. C'est une bonne off-end. Si vous voulez faire du dual wield, je vous recommande de ne surtout pas chercher à être samouraï. Ni voleur. Pourquoi? Parce que si vous battez à deux armes, vous allez régulièrement vouloir switcher sur votre arme à distance. Quand vous prenez un arc et que vous switchez sur l'arme à distance, vous allez équiper votre arme à deux mains pour tirer. Normal. Puis quand vous voudrez re-switcher sur votre arme au cac en appuyant sur A, ce qui va se passer, c'est que le jeu ne fera apparaître que l'arme en main droite. L'arme en main gauche, elle sera toujours dans votre inventaire, enfin dans votre équipement, elle sera là. Mais votre personnage ne sortira que l'arme en main droite. Et quand il se battra, il ne frappera qu'avec l'arme en main droite. Donc pour récupérer l'usage de l'arme en main gauche, il faudra rouvrir l'inventaire. Déséquiper votre arme main gauche. La rééquiper. Et là, ça la fera apparaître. Si vous voulez vous battre à deux mains, il vous faut une arme d'attaque à distance qui soit qu'à une main. Parce que là, si je switch sur. Vous voyez, le katana et je re-switch sur l'épée. Bon, alors évidemment, je ne peux pas avec deux armes là. C'est un mauvais exemple. Mais le truc, c'est que vous lancez le katana en n'utilisant qu'une seule main. Du coup, ce qui est en main gauche reste en main gauche. Et quand vous re-switchez en faisant A, votre arme main gauche, elle est toujours là. Alors, je vais où, là? Je vais aller activer le téléporteur de Talendor. Ici. Ensuite, je vais à... Est-ce que j'ai pas envie de... Ouais, si je m'achète le Wakizashi en or, je peux vraiment envoyer du gros steak, je pense. Nous sommes toutes là, je tape plus fort qu'avec la lance. Oui. Mais... Bon, je fais 15-22 avec le bonus en force. Ah, faut voir. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si je peux choper dans le donjon d'une, si je peux choper des sailles, genre un sail de vitesse, ou un sail de vitalité, ou un truc comme ça. Ouais, parce que je fais entre genre 18 et je sais pas combien là, au minimum je fais 18 en dégâts. Même en comptant ma force, je suis censé faire 16 en dégâts minimum. Donc. J'ai plus de scaling via la force. Là, vous voyez, je suis dégâts 4-24. Avec la force, je suis genre sur 5-25 en dégâts. Faut que je retrouve des monstres bidons.
Tester. Voir où se situe la limite basse de mes dégâts. Bon, définitivement... Oh, tiens, là, vous, là. Vous êtes tout bidon. Bon, faudrait que je tape un peu plus. Faudrait qu'ils soient plus nombreux. Pour voir la limite basse des dégâts. Mais comme c'est une arme avec une grande variance en termes de dégâts, la lance, pas jugée tout de suite. Le katana, t'as pas beaucoup de variance. Voilà, j'ai enregistré le pont lunaire de Talendor. Et que je peux pas... Non, parce que pour enregistrer un pont lunaire, il faut déjà avoir une Moonstone. Donc là, on a fermé Fargrove, hein, encore une fois. On va être obligé de faire les quêtes de la quête principale d'Arindale, c'est-à-dire aller parler à Narako Misume. Libérer Sœur Talia des griffes du maléfique Kogris. Ah bon, depuis quand j'ai cette quête, moi? Van Lop, je vais aller sur Fel. Pourquoi j'ai les deuxièmes quêtes des guildes, là? Personne ne les a données. Ah, aider la femme qui vit dans la honte. Les mobs ont spawné quelque part, mais je les vois pas. Donc voilà, faut que j'aille voir Narako Misume. Puis que j'aille voir Elvitra. Puis que j'aille voir Galbriant, le seigneur des elfes, mais en étant intelligent. Donc surtout en n'accusant pas la maison Fatien. Sans quoi je perdrais le blason le noble et ça serait pas très intelligent. Un peu perdu mon pote. On n'aura pas le grand intérêt du katana, outre le fait qu'il tape plus fort que cette lance, t'as un bouclard avec, et tu peux faire du dual wield. Tu veux te débarrasser du bouclard. Le bouclard c'est bien, ça te donne des chances supplémentaires de bloquer. Ouais, j'ai fait une attaque à 4, après il a de l'armure le scorpion, mais... Ouais, que je teste sur un mob qui a pas d'armure. C'est ça que généralement faut revenir genre dans les égouts de Fargrove, puis tu testes sur les slimes. Les mecs qui font ces espèces de théories sur l'effet des caracs, qui vont tester sur les slimes toujours, les égouts à Fargrove. Le mec disait genre avec 40%, avec 40 en honneur sur les slimes, il gagne plus de 100 XP au lieu d'en gagner 70 de base ou ouais, être comme ça. Les vipères, elles ont pas d'armure. L'intérêt de cette lance, c'est la portée, 7 mètres. Hein. Attaque plus 5, critique plus 5. Maintenant, plus 10 en dex sur le katana, tu gagnes beaucoup d'attaques. Là, en attaque, tu as 100%. Bon, en même temps, je vois pas mon score d'attaque.
J'ai pas tapé pour moins que 7 en fait, hein, dégâts. Donc il semblerait quand même que tu bénéficies aussi avec cette arme d'un bonus de force accrue. Hein. Si tu tapes pour 7 au minimum, t'as plus 3 via la force. T'es pas censé avoir plus 3 via la force avec cette arme. Donc ce serait bonnard quoi. Bon, quoi qu'il en soit, ce katana est de toute façon meilleur parce que les dégâts qu'il inflige tout simplement sont meilleurs. Notez qu'il a un impact sur la parade. Toi aussi, t'es à 0,71. Je pense qu'en fait, c'est la parade avec une arme meilleure que la parade à main nue. Protection passe à 24,4% contre 21%. Ouais, le bouclier me donne plus de protection parce qu'il me donne de l'armure, tout simplement. Il me donne de la vitalité, il me donne... ouais, si. Assas. Franchement, je suis assez fan, là. T'as une autre vitesse d'attaque aussi avec ce katana. T'attaques plus vite et c'est moins bordélique quand t'attaques. Est-ce qu'on veut essayer d'aller revoir nos amis les dragons? Vous voulez dire par exemple Save Scum, les coffres des dragons? Bah ça a revu l'efficacité et l'effet du Save Scum sur le coffre de tout à l'heure. oui, hey. Pas vol la guêpe, hein. C'est pas con non plus, hein. Bien sûr qu'on a envie de Save Scum, les gros coffres. Vous rigolez ou quoi? Le katana que j'ai, tu me sors le même en version Wakizashi, et puis c'est bon, ou en version Sai, hein, peu importe, hein, je veux dire, c'est pareil. Les Sai ont généralement plus de d'affixes que les Wakizashi, donc... Un bon Sai, je suis refait, quoi. Ouais, soyons pas bégueule. Oh nous, they are spiders. Oh nous. Je guette les points de compétence, même si ça sert pas à grand chose de guetter tant que j'ai pas tué le dragon, parce que bon... Même si j'en gagne un, il m'en faut 12. J'en ai 4. Comprenez le léger problème auquel nous sommes confrontés. Je te vois le dragon là-bas, flap flap flap, fais-tu... Comme un gros poulet que tu es. Allez mon gros poulet. Vas-y, c'est un homme. Ah mais vous êtes deux les gros poulets. Non là, deux gros poulets, autant un, je dis pas, autant deux, non, là c'est un petit peu ridicule parce que j'arriverai jamais au cac. Non, deux poulets surdimensionnés les gars, non. Surtout que ma compétence en épée elle est relativement non existante. Pas relativement non existante, je veux dire complètement non existante.
trop loin, je peux pas le toucher ici. Là, c'est un petit peu de l'abus que tu m'aies touché, mec. Hein, à 12 km. J'ai bien conscience que tu abuses un petit peu. Et si tu allais te faire foutre, mon ami le dragon? Ah, l'autre, il me touche avec le... des splash damage au travers du sol. On va attendre que tout cela remonte. On fera une save en même temps, on va attendre que tout cela remonte. À prendre deux dragons en frontal, avec notre régène stamina, mana, c'est un gros problème. En fait, les dragons, faut vraiment que j'aille les prendre au cac. Mais il faut que je monte ma compétence CP qui est vraiment catastrophique. Mais tous mes points de compétence, ils vont passer vraiment dans la compétence bash. Donc, je n'ai pas vraiment de quoi monter ma compétence CP. Et vu que je suis quand même 6 niveaux en dessous d'eux, je ne veux pas les toucher bien beaucoup, vous voyez. That is the problem. Coucou! Et mon jerquet sur une plage ou sur un oreiller. Ouais, là ils m'ont dit dégage. Et que les Jekyll là. Il a été assez intelligent pour faire le tour de l'arbre, le con. Il a compris que j'allais jouer avec lui autour de l'arbre. Eh oh, connard! Tu tires sur qui, là?
Il n'était pas la moitié d'un con, hein? C'est ça, jette-toi dans les flammes, connasse. Tu vas mourir, toi, connard! Je vais te tuer! Espèce de poulet volant! Je vais te débiter, moi! Bon, je risque pas en fait, puisqu'il reste au-dessus de moi. Un mob qui est au-dessus de toi ne. Un dragon qui est au-dessus de toi, il te touche automatiquement. Voilà, faut qu'il vienne au contact. Au contact, connard! Pas au-dessus! Qu'est-ce que tu comprends pas dans la notion de contact, dragon, espèce de débile? Tu veux pas popoter, non? C'est trop compliqué pour toi? Pour ta grande intelligence? Je vais refaire un café, je reviens, le temps de régène. Donc en fait, toutes les deux minutes, je peux aller me refaire un café, quoi. Ça va pas être bon pour la consommation de café, cette histoire. Taïo, on va mourir, sale bête! Oh, quand il commence à te repousser comme ça, après, comme il est au-dessus de toi et qu'il commence à te repousser, tu l'as dans le cul, Lulu. Pas assez bien positionné pour le buter au katana et surtout mon skill est trop faible, mais bon en même temps il faut augmenter mon skill épée. Bon, vous savez, je suis à 3 en épée hein, avec ces conneries. Oh non, non non non, I am going to die. Oh non, c'est pas le même cooldown les popos grandes et petites. Allez, Taïo, 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 tu vas crever. J'augmente ma vitesse d'attaque, mes dégâts, mes résistances.
Mais tout ce qu'on veut. À la vitesse à laquelle ta mana elle part contre un dragon, c'est... Je rate vraiment beaucoup trop pour avoir une chance de d'être pertinent contre la personne. Bon, y a du mieux hein. Faut vraiment que je pexe ma compétence CP. Les voilà, Ouned. Alors, est-ce que le loot est save scumable? Façon Might and Magic? Façon Might and Magic. Donc les coffres sont save scumable, ça j'étais pas au courant, vous voyez. Loot apparemment non. On va essayer, mais je pense qu'en fait le loot est généré quand le mob est mort. Donc si tu veux save scum le loot, il faut enregistrer avant que le mob meure. Je pense. Tant pis, bon ça c'est pas grave. Non. Bon après, c'est logique parce que tu as toujours aussi la possibilité qu'il n'y ait pas de loot. Pas faux. Là, ma pointe courte barre B, c'est un peu nul. Je peux toujours pas utiliser ça en offhand. Non, pour utiliser ça en offhand, il faut que tu sois Lord. ...24 skill points, voilà qui me plaît. La 10 en coup écrasant. Allez, on va quand même monter à 4 en épée. J'ai combien en vie? 677, mana 1046. Yeah! Bon, ça a 1000 en mana, ça commence à être bon là. Bon, il me reste encore tous les dragons là-bas. Je crois que j'en ai poulé un peut-être, surtout ceux qui sont au fond. Même pas sûr. Oula, ce kakatana, il est caca cassé. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, faut vraiment que j'augmente réparation par contre. Répare pas, c'est... Je pense que mon armure aussi doit être dans un état assez alarmant. Vous voyez tous les dragons qui sont là au front, il n'y en a pas un seul hein, qui est venu. Il y en a un qui descend, il va m'aggro. Ouais, le dragon que j'ai tué jusque-là, il y a un dragon fixe, c'est celui qui était là, hein, c'est tout. Hein. Les 4 dragons fixes du fond, il n'y en a pas un camoufleté. Hein. Là-bas, il y a HS. You can do it! Reste à cette distance, mec, et ça me convient très bien.
Shuriken! Monsieur Bob le bricoleur. Can he do it? Sure he can. Mm-hmm. C'est des références là par contre. Je suis pas sûr que ce que. Je doute un peu de la qualité des références que j'ai là. Tiens, vil poulet! Va donc mourir! Vil poulet des enfers! Approche, t'es un homme. Oh, mauviette. Le mec utilise tout ce qu'il peut de cheap, à savoir, il campe au-dessus de ma gueule. Tu veux la jouer cheap? On va la jouer cheap, mec. Comme j'ai level up, il y a moins d'écart de niveau entre tous les deux. Donc j'ai un peu plus de chance de le toucher de base. De gagner un point en compétence CP, l'air de rien, hein, ça se ressent. Hein. Ouais, ouais, si je veux l'approcher en culos là. Il va être en culos, c'est sur ton arbre père chausse. Il va mourir comme une merde. Ok. Man, t'es gentil, mais c'est de la merde, ton loot. Je pense que si je veux arriver à ce coffre, lui là-bas, il va pas le voir de cet œil-là. Mon futal est cassé, mes bottes sont cassées. Les épaulières sont cassées. Mon casque est quasiment cassé. Je vais claquer des trousses de réparation, mais... Ah, me voilà 11 en compétence bâche. Feu. Petite, je ne dirais pas quoi. Petite quéquette. Petite quéquette, petite quéquette. Ah, viens-y, c'est un homme! Allez, viens-y! Viens nous montrer que t'es un homme! Là où je suis positionné, je ne peux que me prendre absolument 100% de ces blasts. Hein. J'ai une chance de le tuer, il faut que je mette plus en hauteur, hein, les gars.
Du coup, il va arriver en mode je te grignote le fion. Histoire de me forcer à bouger. C'est pas que ça m'emmerde qu'il me grignote le fion en fait en tant que tel, parce que là où il est, somme toute, il serait très bien à venir chercher au cac. Le problème, c'est que le temps que j'arrive au cac, je vais pas être très efficace parce qu'il va me rôtir comme un vulgaire poulet. Alors que c'est lui le poulet, hein, notez. C'est avec ces dragons, si vous voulez approcher pour les toucher au cac, au lieu de bonheur. Hein. On va attendre de régénérer un peu. Alors j'ai pas de café à faire là, mais on va attendre. Non, parce qu'ils me font pexer ma compétence bash là, si je les tue. You understand? Very very good. Very very good. Ah, ils ont une chance de donner du loot valable, mais c'est pas tant pour ça, parce que bon, de toute façon, ils le font pas, ces connards. Ah, au cas que je le défonce, là. Mais il va pas oser se battre au cas, vous voyez, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il se fait défoncer, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir recours à son truc cheap habituel de je te crache dessus. Tu trouves une femmelette pour me battre. Regarde. Hein, viens donc te battre au cac avec moi, connard. Vas-y, viens. On voit ce que tu vaux. Hein, que je me la raconte. Je me la raconte, mais j'ose pas venir en frontal, hein. Me fais dessus. Connard. Bon. On va aller save comme ce coffre. Hein. Parce que... Yes, we can. Anneau de la ruine. Protection magie 5%, invocation torrent du néant. On va faire une nouvelle save, mais on va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Ah, attends, maintenant que je sais que c'est, je peux save scum les coffres. Ah, les coffres au milieu des dragons, je vais vous dire, je vais faire plaisir. C'est bon, protection contre la magie 5%, sinon c'est plutôt pas terrible. Anneau pro glace. Oui, non. On pourrait avoir quelque chose de valable. Juste comme ça, quoi. Donc apparemment il a décidé de me filer un anneau. Bon, l'autre coffre c'était une arme. Apparemment c'est le loot dedans est prédéfini. Là c'est un bijou. Collier armure plus 8. Ah mais c'est à la place de cette amulette qui donne parade plus 3. Je dirais en parade je suis à 1-0-3, 11-39. Je perds 3% de chance. 8 d'armure, ouais, ça vaut pas trop le coup. 8 d'armure, c'est pas fou fou au point que j'ai envie de perdre 3% de parade. Avec mon bouclard. Parade plus 5, mais vitesse moins 100. Ouais, je crois que je vais rester sur l'anneau que j'avais au départ. Hein. En fait, t'as une chance de voir tous les bijoux de l'univers, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça.
Talisman du tombeau. Ah, c'est à la place de ça. Armure 5, attaque 1. Ah, non. Non, je vais charger le premier anneau que j'avais. Le problème, c'est que son skill sera probablement pas très utile. Et surtout, son skill me prend une place dans... J'ai pas de place à... Vous voyez, à... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les potions de mana et celui-là, je vais le mettre en 1. You can do it. Yes, you can. La vitesse à laquelle je vide ma barre de mana, c'est un peu abusé quand même. Comparé à la vitesse à laquelle elle se remplit. Eat shit and die. Là ça sert à rien, là je suis en train de brasser l'air là, parce qu'en fait dès que je m'approche de lui il me repousse. Je peux pas l'approcher là. Je peux pas l'approcher, il faut que je me barre. Je vais crever. Quand il commence à me souffler dessus comme ça, il me maintient à distance. Et là, je reste contre un mur. Je suis vraiment teubé, hein. Mec, face à quelqu'un qui fait des splash damage, ça te dirait pas de t'écarter des murs, peut-être? Non, là il t'a coincé de nouveau, il est au-dessus de toi, il était contre un mur. On t'a juste à le toucher une fois, ça te dirait pas? Quand même. Code de maille prof armure 37. T'es gentil toi, mais armure 37, je crois qu'il n'y a pas photo, hein.
Force plus 5, AG plus 5. Ah ouais. Ah ouais. Ah, le stuff vert, c'est toujours quelque chose. Supérieure lame à pointe barbée du guerrier. Dégâts 14, 24, force 10, dex 10. T'es gentil, le katana ? On l'a trouvé mieux. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Ah puis elle est belle, cette épée. Hein. Oh boy. T'es en train de faire péter la banque. Montez le dernier là-bas, toi. Taïo. Ouais, les dégâts 40. 40. Bon, ouais, les dégâts que je prends dans la tronche aussi. Alors pourquoi 40? Parce que j'ai ce buff, hein, un peu foufou. Je me rapproche trop. Je me mets en contrebas avec une côte ascendante derrière moi, ce qu'il faut jamais faire encore une fois contre quelqu'un qui fait des splash damage. C'est vrai que j'ai jamais joué contre quelqu'un qui fait des splash damage dans ma vie. Je fais tout ce qu'on peut faire de merdique là. Trois, 67, 65. Choppity chop, choppity chop, choppity chop, choppity chop. Ah ouais, les dégâts, 30 points de dégâts. Hein. Oui, je l'ai rossé quand même. Je t'ai rossé, mon ami. Je t'ai défoncé, mon ami. Bon, bah écoutez, on a fait de l'écarissage de dragon, là. Et c'était plutôt bien. Il n'y a pas plus fort en termes d'XP que ça du jeu, hein. Bouclier de la tristesse. Alors, je dirais bien quelque chose sur le bouclier de la tristesse. Gantelet de plaque du sang, cela dit. Dégâts plus 1%. Alors, vous allez me dire, dégâts plus 1%, c'est nul. Pas faux. Mais on va le prendre. Because que... Pourquoi pas? Le stuff du sang, c'est comme le stuff noir normalement. C'est du stuff que vous pouvez choper qu'à l'arène à Skuldoon. Bah, que vous allez le choper surtout, ou quasiment que. On va dire quasiment que à l'arène à Skuldoon. Vous farmez l'arène. Bon, bah écoutez, ma foi, c'est tout à fait intéressant.
13 en compétence bash. Il va être capable de basher quasiment tous les coffres de la création. J'ai appris un nouveau sort. Quel est-il? Trait de glace. Lance une frostball géante. C'est comme fireball, mais ça fait plus de dégâts. Un peu, hein, pas non plus foufou, quoi. Ah, mais les dégâts de cette arme, ils sont complètement teubés. Pourquoi je tape entre 35 et 40 alors qu'il écrit 15-26? Vous voyez? Il y a des armes. Et il scale sur la force, mais un truc de fou dangereux. Là, je suis à force 45. Hein, en même temps, j'ai boosté ma force, mais un truc de dingue. Hein. Bon, en même temps, là, il y a de la force. Là, il y a de la force. Ah non, mais là, j'ai pas fait semblant. Hein. J'ai le bon cœur, là, sur la tronche des mobs. Hein. Ah, de bon cœur, là. Pas de problème. Je leur ai ruiné la gueule. Non, ce que je voudrais monter, c'est ça. Je voudrais vraiment monter cette compétence-là. Un petit peu, pour augmenter ma régène mana. Je n'ai pas l'impression que ça augmente bien beaucoup. La régène mana, elle monte, elle est vraiment très très faible, là. Bon, après, avec ce que j'ai comme arme, maintenant, j'ai plus besoin de... J'ai le mana, mais. Me direz-vous? Faut que je me trouve un. Alors, faut que je me trouve un meilleur. Bah, pas vraiment. J'allais dire, faut que je me trouve un meilleur. Futal, mais c'est un futal 19 en armure. Hein. Je vois pas que je trouverais mieux que ça. Hein. Celui en futal, même la plaque, c'est 12 armures. Hein. Ouais, si vous voulez mieux que 19 en armure, il va falloir trouver futal enchanté, quoi. Alors toi, est-ce que je pourrais pas t'acheter une off-end? Bon, cela dit, mon bouclard est vraiment excellent. Hein. Ton off-end, il a pas grand-chose, quoi. Il a un poignard dégâts 3-4 ou des conneries comme ça. Donc, je verrai si je peux mettre la main sur un Sai dans le donjon de Ulm. Pour l'instant, là, il faut que j'aille voir Narako Misume, puis Elvitra, puis que je fasse le donjon des épreuves. J'ai probablement pas le temps de faire ça sur cette session. Parce que là, du coup, j'ai vraiment pris le temps d'aller buter les dragons, et je regrette pas. Hein. Je veux dire, j'ai gagné vraiment beaucoup d'XP, beaucoup de skill points. Ça a permis de monter coup écrasant à 13. Ma compétence CP est montée à 5. J'ai eu des loots absolument formidables. Je veux dire, voilà quoi. Je sais pas. Là, effectivement, c'est quelque chose, quoi, le loot que j'ai. Ouais, j'ai Arindel, Talendor, donc je peux maintenant me TP de l'un à l'autre. It is not l'objectif. L'objectif, c'est d'aller voir la Zouz qui est là, Narako Misume. Elle me parle d'Elvitra, que j'aille voir Elvitra, qu'elle me raconte sa vie. Et ensuite, que je puisse aller voir Galbriand. En lui disant que je vais retrouver l'Argalia, mais que j'ai besoin de l'aide de la Maison Fatien. Surtout pas accuser la Maison Fatien. Encore une fois, si vous le faites, vous perdez un blason qui est un très bon blason, qui plus est. J'ai déjà acheté la clé ici. Bienvenue à l'auberge d'Arindal. Non. Hein. J'espère vous revoir.
Donc les elfes, c'est des trous ducs, hein, sur ce jeu. Lui dit, voilà, tu as une chambre, ce sera 120 PO. Tu dis, bah tiens, voilà 120 PO. Il a dit, non, mais en fait, faut ajouter la taxi, la taxa, le séjour, le ci, le ça, l'entretien. Bon, en fait, c'est 360 PO. Partez, laissez-moi tranquille. Yoshi. Non, je suis pas Yoshi. J'ai une tronche à m'appeler Yoshi. Je dois vous avertir. Là, allez voir. Elle me raconte sa vie. L'apothicaire. Voilà. Voyager avec elle fait vent. Court. Va aller voir Elvitra chez l'apothicaire. Tu résumes bien la situation. C'était pas à peine de faire ces 12 pages de dialogue pour en arriver là, mais c'est ça de chance. Soyez le bienvenu à l'auberge d'Arindal. La bienvenue. Une tronche de mec. Je trouve que j'ai des pectoraux très puissants. Mais c'est pas des pectoraux, mec. Ok. On va faire un dessin, peut-être. Voilà. Ce qui bouge devant. Non, ce ne sont pas des pectoraux, mec. Après, c'est un elfe. Hein. Il fait pas la différence entre un homme et une femme. Niveau des compétences, les compétences d'armure, c'est censé augmenter la movement speed quand tu portes une armure. Le problème, c'est que ces compétences-là ne montent pas toutes seules. Et généralement, tu as déjà... Si tu commences à monter coup écrasant, réparation, et il faudrait monter réparation à 10, coup écrasant, il faudrait monter à 16. Et après, on pourra éventuellement augmenter une compétence d'armure pour augmenter la vitesse de course. Et on va probablement avoir autre chose à foutre. Donc oui, il faut aller voir l'apothicaire qui bien évidemment est à l'autre bout de ce putain de village qui est en ligne droite, bien sûr, parce que sinon ce serait pas du David Bradley s'il n'y avait pas des putains d'allers-retours de merde à faire. Je veux dire, un développeur intelligent aurait foutu ces deux maisons, celle d'Elvitra et l'auberge, côte à côte. Mais David Bradley n'est pas un développeur intelligent. Et donc, il les a foutus à l'autre bout du village, évidemment. Ça apporte quoi? Rien du tout. Mais c'est David Bradley. Ah, toi, tu vas devoir régler un problème avec ton mari. Et j'aime la façon de régler les problèmes avec ton mari. D'ici, elle vous a tout révélé. Donc, elle est en train de me raconter l'histoire, voilà. Ils ont notre fils. Non, Michel. Il est temps que cela s'arrête. Qu'il en soit ainsi. N'approchez pas. Longtemps j'ai prié. Repose en paix, mon pauvre époux. Nous ne resterons pas longtemps séparés. Mais d'abord, je dois réparer nos erreurs. J'ai beaucoup à vous dire. Donc l'histoire, rappelons, c'est que leur fils était un voleur et il a été essayé de voler la maison Fatien. Et il s'est fait... C'est-à-dire qu'eux étaient au service de la maison de Misume. Qui avait donc une armure fabuleuse à garder. Au nom de la nation des elfes. Et donc leur fils, à eux, était un voleur. Et il s'est fait choper un jour à voler chez les Fatiens. Et du coup, les Fatiens l'ont emprisonné. Et ils ont dit à leurs parents... On va le balancer à la justice et il sera probablement exécuté, sauf si vous faites ce qu'on vous dit de faire. Et ce qu'on vous dit de faire, bah, c'est d'aller voler cette fameuse armure chez les Misume. Et fermer votre gueule ensuite. Et du coup, eux ont volé l'armure. Qui a entraîné la disgrâce des Misume. Et bien sûr, les Fatiens n'ont jamais libéré leur gamin. Et ils le gardent prisonnier pour les obliger à se taire. Ce qu'ils ont commis. Hold, que faites-vous ici? J'ai une nouvelle de l'Argalia. Je peux trouver l'Argalia. Si vous dites autre chose, il vous envoie chier. Hein. Salut Galbriand.
Et le conseiller de la maison Fatien, qui a pas l'air du tout d'être un traître. Hein. Il n'y a pas du tout une tronche de traître, lui. Hein. C'est pas écrit sur sa gueule du tout. Vite, audacieux étranger. Donc il faut surtout pas dire ça. Si vous dites la maison Fatien a volé l'Argalia, vrai ou pas, vous perdez l'accès à un des meilleurs blasons du jeu. Vous devez juste dire je retrouverai l'Argalia. Quelle nouvelle ? Savez-vous où l'Argalia dérive ? Et surtout pas la maison Fatien. Non, je demande l'aide de la maison Fatien. Maison Fatien, que répondez-vous à la demande ? Et du coup, la maison Fatien veut nous soumettre au jugement des anciens. Et donc, on va devoir faire un des donjons les plus relous du jeu. Mais qui est un donjon qui n'est pas basé que sur la baston. Mais on se demande si on n'aurait pas préféré finalement. En fait, ce qu'il y a, c'est que je poussais la personne pour qu'elle m'empêche pas d'atterrir. Dès que tu atterris, ouf. Voilà, vous savez, comme ça, plusieurs fois à faire du super platforming parce que c'est un jeu qui était manifestement formidable pour faire du platforming. Donc on entend qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il nous reste une fois à faire du platforming. Voilà, on a fini la première partie. C'est la plus facile. Non, la plus facile, c'est celle avec la flotte. La deuxième partie, elle est relou. Pas difficile, juste relou. Vous avez quatre grandes salles avec des mobs que vous n'êtes pas censé tuer. Alors vous pouvez, hein. Vous allez gagner un peu d'XP. Mais vous avez... ces mobs, ils repop sans cesse. Et il y a un type de mob qui est vraiment trop fort, vous n'allez pas le tuer. Elle, là. La Banshee. Donc l'objectif c'est, on peut ouvrir les coffres jusqu'à trouver un coffre qui a une pierre bleue à l'intérieur. Voilà, ça, une pierre des quatre. Ensuite vous allez sur la salle au centre, vous activez ça avec votre pierre des quatre et vous recommencez. Vous faites ça dans les quatre salles autour. Et vous pouvez passer à la suite. Donc il y a quatre zones. Là, on est dans la zone numéro 2. La première, c'est le puzzle jump. Enfin, c'était le platforming avec les poteaux. La deuxième zone, c'est ça. La troisième zone, c'est vous allez avoir de l'eau avec des plateformes que vous allez devoir faire monter pour les traverser. La troisième zone, la quatrième zone, c'est la dernière, c'est... celle qui est ultra relou. C'est celle avec le mage sur une plateforme et les spawns infinis d'esprits d'elfes en dessous. Il faut gérer pendant un temps extrêmement long jusqu'à ce que le mage sur la plateforme dépop et que l'ascenseur descende.
Ça va quand même plus vite de faire ça que... que de faire le crochetage. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça... Non, ça va, ça n'a pas abîmé l'arme. Tchum tchum didadadadam, tchum tchum didadadam. On a eu un anneau. Anneau de glace. Voilà, tu vas mourir, connard. Ah non, c'est dans le dernier coffre. Et donc forcément là-bas au bout. À moins que ce soit ici d'ailleurs. Savoir. Et ici. Ah bah au bout il n'y a pas de, de coffre normalement. Donc là on va avoir un bouclard qui est moins bon que ce que j'ai de fait. Parce que mon bouclard... le stuff vert est du stuff de très haute qualité. Hein. Parce que ça c'est du bleu, hein, vous allez dire. Il est mieux et tout. Armure 5, bouclier 5. Alors oui, il a beaucoup de protection contre magie, feu, glace. Mais armure 5, bouclier 5 quoi. Le mec il a armure 13 et le mien est 2 en vitalité, vous voyez donc. Voilà. Donc là on va arriver sur une zone très facile. Avec de l'eau. La zone d'après est ultra chiante. Alors il est pas long hein, ce donjon. C'est le, la quatrième zone est extraordinairement chiante par contre. Là il faut marcher sur toutes les... les plateformes rondes. Ça va faire monter des plateformes pour avancer. Et là, de la même manière, à gauche, il y a une plateforme ronde, à droite, il y a une plateforme ronde, et ça vous permet d'avancer. Enfin, c'est extrêmement simple. Et bah leur pesant de cacahuètes, hein, les chevaliers. Donc le maître vénérable, tu le tueras pas, il est niveau 80. Hein. Voilà. And now the fun begins. Alors faites attention, il faut toujours se mettre en dessous de la plateforme où il y a le mage qui blaste. Le mage ne peut pas vous blaster. Vous êtes sous sa plateforme. Donc il faut continuellement vous déplacer pour aller sous cette plateforme. Et le mage va continuellement se TP quand vous êtes sur une, sous la plateforme où il est. Donc l'idée, c'est de continuellement surveiller... et adapter votre positionnement, sachant que encore une fois, même si vous êtes en dessous, au moment où il lance sa boule de feu, si vous êtes proche de dessous de sa plateforme, vous allez être touché quand même. Hein, la boule de feu va passer au travers de la plateforme. Donc oui, bon, vous pourrez quand même à un moment donné aller tuer les fantômes, hein. D'autant que les chevaliers valent beaucoup d'XP. Mais le principal, ça reste vraiment de... échapper aux boules de feu du mec au-dessus de vous, parce que lui, il peut vraiment vous emmerder. On voit rien, là. Toi, tu m'emmerdes, l'esprit de maître elfe. Je regrette de t'en informer.
Oh là, il va me blesser lui. Même pas. Les esprits de maître elfes sont extrêmement chiants. À cause de leur capacité en fait à t'aveugler avec leur sort. Mec, je veux pas être méchant mais ton sort il est passé à 12 km. Vous voyez en fait ça là, je colle une putain d'aura violette autour de vous et ça vous aveugle totalement. Vous voyez absolument rien ce qui se passe. Ah, je suis en train de me faire blaster, le mage est là-bas. Le mage il est là-haut. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Hein. Il y aura un ascenseur qui va se déclencher. Mais pas tout de suite. Hein. C'est assez long, cette partie. C'est long et c'est pas très fun. Ouais, ouais. Sur la Collector's Edition, c'était assez chiant. Ok, c'est fini. C'était chiant parce que sur la Collector's Edition, en fait... il fallait vraiment que tu sois le kéké du cac, parce que si tu comptais sur de la magie, bah je rappelle que sur la Collector's Edition, la magie c'est de la merde. Parce que tu as genre 15 charges de sort pour la journée quoi. Et donc t'as tellement de mecs à buter ici que ça colle pas, vous voyez. Ça colle pas. Bon, il est court, hein, ce donjon, et c'est très bien parce qu'il est assez chiant. Finalement. Par la barbe de Dagorn, vous êtes en vie? Venez à moi. Non, que je suis en vie, connard. Tu m'as pris pour qui? Roi, maison Fatien, qu'avez-vous à répondre? La maison Fatien sera honorée d'accueillir l'audacieux étranger à Ulm et d'examiner les preuves avant leur présentation à cette cour. Que l'honneur prime. C'est ça, l'honneur. Que l'honneur. Allez à la forteresse d'Ulm, à la maison Fatien. Partez maintenant pour Ulm. Mais j'y vais, de ce pas. Et là, on va faire un carnage. Hein. Je vous dis, attention, génocide, quoi. Mode Troisième Reich activé, tout ça. On va faire un génocide, là. Ah, ouais, tout à fait, là. Là, les elfes, ils sont quelques milliers, là. Dans le coin. Après, en passage, il n'y en aura plus que trois, hein. J'exagère, il y aura Galbriand, il y aura Elvitra, ça fait 2. Il y aura Chang là-bas, ça fait 3. L'armurier 4. Et le mec à l'auberge 5. Et lui... ouais, ils seront encore 6, quoi. Bon, c'est pas beaucoup non plus, hein. Ouais, ils seront 6, quoi. Comme ça. Oui, il y a un bel arc, hein. Je m'en fous. Je ne saurais jamais m'en servir. Poignard de guerre elfe, je pourrais utiliser ça en offense, dégâts 4-6, bon. Je vois déjà tellement du lourd avec ma main hand. Si je veux une offense, je prendrais quelque chose d'un peu plus péchu. Ouais, je veux quelque chose avec plus de peps. Alors, qu'est-ce que tu peux m'apprendre, mec? Souffle d'air? Génération, je suis pas le niveau. Explosion runique, guerrier runique.
les étoiles vous guident sur votre chemin. Aïe, oh ! Bon, par contre, ce qu'il va me faire, effectivement, c'est des trousses de réparation, parce que Ulm, c'est un donjon qui est long et avec beaucoup, 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 beaucoup de combats. Et j'ai déjà dit à quel point il y a beaucoup de combats à Ulm ? Il y a beaucoup de combats à Ulm. C'est du bon David Bradley, hein. Pas un donjon passionnant, Ulm, mais bon, c'est un donjon qu'il faut faire, quoi. On va voir les frelons, vous m'emmerdez. C'est quoi, on va quand même prendre compétence. Alors, j'utilise quoi actuellement? J'utilise un mix de toutes les armures, vous voyez. Mais j'utilise surtout de la maille, hein. Maille, cuir, plaque, tissu, pff, j'ai un peu de tout en fait. On va être un point de compétence dans chaque armure. Rich and Sprouch. En tout cas, sur cette session, on aura fait des trucs rigolos, comme aller tuer les dragons. On aura appris des trucs rigolos, comme quoi on peut save scum les coffres, mais pas les monstres par contre. Vous vous êtes introduit sans permission sur les terres de la maison Fatien. Sans permission. Mais mon cul, c'est du poulet. Le seigneur Fatien va vous recevoir. Mes craintes, ça c'est pas la peine qu'on explore tout de suite, hein. De toute façon, c'est... dans la prochaine session, on va faire ce donjon et on va y passer du temps et on va tout explorer. Le seigneur Fatien va vous recevoir. Bienvenue dans la maison Fatien. Si seulement vous saviez à quel point je vais vous casser la gueule, et pas que la gueule d'ailleurs, feriez-moi les malins. On peut pas passer par là, ah bon? Non. Approchez, matin. Matin. Votre subtile diplomatie ne marchera pas avec moi. Je sais pourquoi vous êtes là. Ce sera un jeu d'enfant pour moi d'expliquer au seigneur Galbriand comment vous avez trébuché et vous êtes empalé sur votre propre épée. Garde, tuez-les! Garde, tuez-les! Alors pourquoi les? Parce que je rappelle que c'est potentiellement un jeu multijoueur. Hein. C'est parti pour la moisson des Fatiens.
C'est parti pour la moisson. Tiens-toi bien. Mec. Oh, tu lèves ton bouclard, hein, bravo. Hein. Quel bonhomme. T'es trop un bonhomme, toi. Hein. Ouais, t'es trop un bonhomme, toi. Mec, je suis en train de garder vos épées, là. Attends ton tour. T'inquiète, tu vas mourir, un connard. Et comment il est pressé de venir mourir. J'arrive. Mec, tu vas te faire défoncer. Je sais pas, moi. Sois pas si enthousiaste. Là, faut la clé. Derrière, il y a le mec qui a la clé qui permet d'aller dans les la crypte. Ouh, le home. Il est joli, celui-là. Mais c'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai, tout ce qu'il donne, c'est moins un crit, plus un attaque. Vous voyez, c'est bon fou, hein. C'est la même chose que ce que j'ai, quoi. Il a un meilleur look. Vous ne quitterez pas notre maison vivante. Tiens, Miley Cyrus Fatien. Enfin, Myrus Fatien, c'est pareil. Une seconde. Je suis en train de casser, là. Oh, fais-moi le malin, monsieur Fatien, là. Oh, j'ai la clé du manoir Fatien. Il y a un Wakazachi. C'est un Wakazachi de base. Il y a un home de chevalier. Il est moins bon que le home tout court. Ça va doser. Tiens, Demeus Fatien l'ancien. Bon, t'as raison, mec. Ah bon? Et cette boule de feu, elle fait pas le poids? Et toi, goûte à la boule de feu de... C'est pas malade, mais... Vous périrez! Oh mon dieu, mais il m'a fait bobo! Il veut me faire bobo! Là, franchement, on dirait les... On dirait les doublages de... des vilains dans Nicky Larson, vous voyez, sur AVF. 63 000 XP, merci mec. Les gars, votre ancien vient de se faire défoncer, là. Je veux pas être méchant, mais j'aurais été vous, je serais parti en courant. Ah bon, vous êtes con, quoi, hein, les deux vous disent. Je viens déjà de rosser la nation elfe, là. C'était sérieusement de la merde. Ah, Wakizachi d'argent de la bête. Voilà, ça c'est une offense. Une vraie force 5, AJ 5, puissance 5, attaque 2. Voilà. 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 Ça c'est une offense. Donc je vais perdre un poil de PV. Alors les amis, cette offense. Vous m'en direz des nouvelles. Boy, boy, boy. On vient dire, t'as 50 en force. Ouais, en fait, bon, parce que j'ai plein de stuff qui donne la force, mais ouais. On va monter la J pour augmenter la vitesse d'attaque. Oh, et là, on va défoncer. Yeah. Avec ces deux armes-là, ça va être sale. Ça va être sale. On voit clairement un passage secret ici. Un passage secret qui va mener au trône.
Mais en même temps, le mec qui nous a accueillis et qui s'est barré sur son trône, c'est celui qu'on vient de tuer là, l'ancien. Voilà, c'est juste si vous avez envie d'un raccourci pour redescendre. Vous pouvez sortir par là. Bon, moi non, j'ai pas encore fini là-haut. Ah ouais, c'est là, ça va être vilain. Hein. On va faire du vilain, ça c'est clair. Hein. Ouais, là il y a un Sai. On pourrait avoir un Sai. Katana du protecteur. Ah! Dex vitalité, hein. Bon, dégâts 8-14, hein. Épaulière en plaque. Ah bah j'ai des épaulières de base en maille, donc plus c'est à maille à pointe de gobelin, donc on s'en fout. On les éclate, éclate, éclate. Là il y a du monde là-dedans. Alors contre eux, c'est dur de jauger les dégâts que vous faites parce que comme ils sont tout le temps en train de bloquer, mais en même temps... C'est quoi ce casque? Un vieux casque de merde? Oh, on peut pas toujours avoir du fat loot, hein? Non, on peut pas. Cette masse, c'est quoi? Pas très intéressant. Non, là, j'ai deux armes dont je suis très très satisfait. Hein. Je pourrais aller jusqu'au bout du jeu avec ces deux armes. Hein. Après, en tant que lord en main gauche, je pourrais mettre... je pourrais utiliser ça. Hein. Ouais. Et alors là, autant vous dire... C'est la fête au village, les parents, les enfants et tutti quanti. Hein. Bon, je dois m'arrêter là. Là, je suis parti. Là, c'est roule ma poule. Donjon, je vais les éclater là. Dans ce donjon. Donc là, je pourrais sortir du donjon si je veux, je vois pas vraiment l'intérêt, hein, techniquement, mais... C'est le trésor, hein. J'ai pas save comme ces coffres, j'aurais pu, hein. Là, je pense que mon stuff est assez bon, là. Armure 13, hein, bouclier 7, hein, ce bouclier, il est pas dégueu, hein. Allez, en haut de la tour, il y a un coffre, on va l'ouvrir et puis on va s'arrêter là. On dit, ça va pas moi que je vais m'arrêter là.
Là, on est tellement en mode ça roule là. Sur ce jeu, vous devenez grotesquement puissant de toute façon au bout d'un moment. Et vous commencez à mettre la main sur du super stuff, et là, c'est fait. Donc, bon. On est fait là. Ciao tout le monde.